Yo Mina, c'est Dridri, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Hide and Shriek. Donc en gros c'est grosso modo, de toute façon on va regarder les règles, mais je connais vite fait parce que j'ai regardé donc une vidéo vite fait. Mais je veux pas trop voulu me spoil, donc c'était comme je vous ai dit vraiment vite fait. Donc on va découvrir plus ça ensemble, mais en compagnie de Dark Aurore. Yo. Et donc ça va être un jeu à la style cache-cache, mais on va devoir se faire peur. Alors vous allez voir que quand on va aller dans jouer, comment jouer, les règles. Alors regardez, donc, il y a marqué Every Halloween, voilà. Donc chaque année à Halloween, deux élèves s'affrontent. L'académie Dancemont et le lycée de Little Spring. Donc en gros, à gauche et à droite, donc à gauche on va dire que c'est moi et à droite c'est Dark. Et on aura un certain laps de temps où on va devenir invisible, comme il y a marqué là. À minuit, ils deviennent invisibles. Oh. 10 minutes pour gagner. Donc il y a deux choses si on veut gagner. Donc soit on trouve des orbes magiques pour avoir un meilleur score entre nous deux, donc l'équipe bleue, l'équipe rouge, et nous avons là, voilà, ou soit faites peur 3 fois de suite pour gagner une victoire instantanée, donc 3 fois de suite. Si l'autre vous en faites 2 fois et que votre adversaire le fait une fois, vous recommencez, tout simplement. Cherchez les runes cachées dans toute l'école, utilisez les runes pour lancer des sorts. Donc voilà, on a des runes, on va devoir fusionner plusieurs runes différentes pour avoir des effets, on va dire, en gros uniques. Faire fusionner les runes pour des effets uniques. Voilà, tout comme je disais. Donc après il y a l'ATH, donc ça c'est l'ATH du jeu, donc ça on s'en fout, vous verrez après. Astuce, donc ça, voilà. Chercher dans les placards, les tiroirs et autres meubles pour trouver des runes. Et bien sûr vous pouvez poser des sortes de sorts, de pièges, enfin quoi qu'il en soit. Les nombreux visages de mort. Donc il y a Hurl. Vous avez été effrayé, hurlement prêt. Voilà, il y a plusieurs visages. Donc ça c'est quand tu hurles, ça c'est quand vous avez été effrayé par quelqu'un, ça c'est quand l'hurlement est prêt, parce que voilà, il y a une jauge qui doit se faire. L'adversaire est tout proche, augmente votre flux de hurlement et vous êtes visible. Voilà, différentes têtes de mort veut tout dire par rapport à votre interface en bas comme est marqué. Et après ensuite, ben au bout d'un instant, votre orbe indiquera votre hôtel. Au bout d'un moment, mais quand vous prenez votre orbe, vous êtes visible. Voilà, je vais pas tout vous dire. Voilà, ouais, il y a plusieurs trucs différents. Donc voilà, piéger les portes, tiroirs et placards, placer un piège au sol, laisser directement ce sort sur vous-même pour profiter et pour lancer un sort sur votre gueule pour avoir un effet encore mieux. Voilà, donc il faut connaître les sorts, mais on va lancer ça, on va lancer directement la game, comme vous voyez. Je t'invite. Maître Dryagan, donc. Dark Aurore, Maître Dryagan. Maître Dryagan et Dark Aurore YouTube. Ok. Donc là tu vois là le mec en rouge. T'as pas pris tes cours, toi. Tu vois le mec en rouge là, c'est moi quand je vais te niquer ta mère avec l'orage. Pas mal le chargement comme ça. Ouais, par contre je ne sais pas les touches donc on verra bien. Sélection de runes. Feu spectral, vision runique, double vision, verrou. Charge folle. Ah je crois qu'on pouvait vraiment sélectionner. Trouver les orbes de l'hôtel. Ok. Ok. 7. Go. Ok, donc ça, cette touche là en dessous de la majuscule, c'est pour courir. Ok, t'es où, espèce de petit PD de merde? Non, mais t'es Dark, si t'es là, faut parler parce que sinon, c'est trop de la triche. Après, t'es trop concentré. Ah bah c'est parce que en fait j'ai pas pu faire de la merde. Révèle temporairement les runes proches. Eh, si tu trouves un moyen pour ouvrir les portes facilement, franchement, je suis preneur parce que... Elles sont déjà ouvertes. Ben... Ouais, je trouve ça un peu bizarre et pourtant elles devraient pas être aussi dures à ouvrir. Par contre j'aime bien, je tombe que sur des trucs où tu peux... fermer une porte. Par contre, je sais pas bien si tu loupes ton jumpscare Skyred, je sais pas quoi, tu dois recharger. Ça, c'est chiant. Et tu sais comment on fait pour poser l'objet? Non, je sais pas du tout. Oh, pédé. Je t'ai vu, espèce d'enculé, va. Espèce de petite crotte que tu es.
Par contre, j'ai même pas qu'elle Je sur. crois que t'as un tiers chargement maintenant, toi. Et je sais même pas quelle touche j'ai fait pour essayer de t'effrayer. J'appuie sur toutes mes touches. Ah, c'est le bouton hurlement dans tes commandes. Voilà, comme je t'ai niqué. Ah, mais l'hurlement, c'est le truc qui se charge, quoi. Ouais. Ok, donc en gros, je peux pas hurler tout comme je veux. Faut vraiment attendre que le chargement se fasse, quoi. Bah c'est logique, sinon ce serait trop fort. Ah oui, mon hurlement est prêt maintenant. T'es où, espèce de petite merde? T'es où, espèce de petit con? C'est con parce que moi je suis en train de verrouiller toutes les portes grâce à mes sorts. Oui, ben, si tu verrouilles toutes les portes, je vais te niquer ta mère, tout Non simplement. mais ça dure pas tout le temps, ça dure pas tout le temps je pense. Espèce de petit enculé, va. Si je te vois, je te. Si je te vois, je te jure, je te fume. Tu t'es fait avoir par mon truc piège sur la porte? Moi, j'ai pas la meilleure qualité du jeu, mais je m'en fous. Petite merde que tu es. J'ai trouvé ta boule, espèce d'enfoiré, va. J'ai mis ma bubule! Putain, faut que j'en trouve d'autres parce que sinon ça va faire du caca tout ça. Qu'est-ce que t'as encore foutu comme bordel? Un cadeau pour toi, connard. T'as fait un piège là. Ouais. Celui-là de voir autant noir, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est moi qui ai fait quelque chose. Ben, je vois plus rien. Ah ouais, c'est mon truc, embrouille l'adversaire. Ben, ouais, il est en train de vomir mon perso en mode qu'est-ce qui se passe? J'ai gerbé, espèce d'enculé! Après là clairement vu qu'on va dire c'est à peu près la première fois que je vois jeu si on perd dès le début on va dire c'est un peu l'entraînement quoi. Ah oui, non, mais ça c'est vraiment le début, ça c'est vraiment le début de la petite merde, ça. En fait j'aime bien le système du jeu hein. C'est vraiment bien fait. Ils ont bien réfléchi au système du jeu comment faire. Espèce de petite merde. Moi, j'ai vu où était ta poule. Elle est en plein chemin dans le truc de l'école. Enculé que tu es! Enculé! Petit bâtard. En fait, faut que tu repères ta porte, enfin ta bouboule, et après tu vas. C'est ça. Faut pas qu'il y a beaucoup de rues. Oui, je sais.
sûr. C'est nice, ça c'est nice. Petit PD. Non mais moi Sectac, il est où là? Ça fait 1000 ans que je cherche. Ok. En fait, si t'es ta pute à ton truc pour faire peur, t'es niqué en fait. C'est ça. Eh, je t'ai vu. Enfoiré. Eh, ouais, Rouya, je t'ai vu. Tu travailles ta petite boule devant moi, espèce de petit enculé. Ah, puis la musique, moi, elle change, là, bizarrement. Ah, où? Tu t'es fait piéger? Petite boule explosive de merde. Ah, je pense à la prochaine game, j'aurai à peu près compris le jeu, et là, j'aurai compris comment t'enculer. Bon, j'ai joué, on va dire qu'on s'est bien débrouillé à deux en fait. Ouais. Alors t'en penses quoi déjà? Ah mais moi je le trouve rigolo, après faut s'y mettre un petit peu plus et comprendre un petit peu mieux le jeu, mais sinon franchement il est super cool hein. T'imagines un jour s'il y a un mode clairement tu peux être 2 contre 2. Ouais, vu le jeu qui est un jeu cool. il est pas récent, non je pense que c'est un contraint, sinon ce serait un peu trop le foutoir je pense. Bah ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti. Ouais, c'est pour ça que ce serait un peu le footwear. Oh, sélection des runes. En gros, on peut pas les sélectionner. Attends, non que les Z, c'est surprise. Ok, d'accord. Ah, c'est pour... je crois que peut-être le violet, c'est le mieux. Déposer les runes sur l'hôtel. Ah, par contre, les hôtels sont tellement classe. Go PD, va. Bizarrement, mon hôtel et ton hôtel... L'enculé vient d'en poser un déjà, on n'est que ta mère. Ah oui, il a spawn devant ma gueule. Putain. Ok, je sais pas ce que tu m'as foutu dans la gueule, mais ça fait mal. C'est en gros, c'est un piège que je t'ai mis. Ok. En gros, tu m'as bien enculé, quoi. T'es en stress? Ah, je viens de débloquer un nouveau sort. Eh, t'es où, petite bouboule? T'es en train de chercher ta bouboule? Tu sais que c'est rigolo de se faire prendre son propre piège dans la gueule. Je pense que ça dépend des sorts. Je m'en doutais de cette merde, enculé de ta race là. Sous merde là. Parce que t'as sprinté je crois. Mais j'ai sprinté puis j'avais une aura verte derrière mon cul, tu l'as bien vu. Ah ouais, c'est un objet, c'est un sort que j'ai fait. Oui bah voilà, bah je puais la merde. Clairement, je puais la merde.
qui activait sa propre clochette. Désolé, comme une merde, il est tombé dans son propre piège, tu vois. Enculé de sourasse de merde, toi! Tu sais comment je t'ai entendu? Non. Si t'as ouvert la porte? Putain de merde! Ah, mais de toute façon, les portes ça s'entend. Hein. Ah, y'en a qui t'es Enfoiré. Par contre, tu t'es pris mon piège là, petit connard. Putain. Ah, mais il dure pas trop longtemps, je trouve, ton piège. Non. Peut-être c'est juste moi, mais. Il donne des points gratuits des fois. Ok, je sais maintenant ce que c'est les pièges quand tu peux les révéler. C'est rouge. Ok, je sais maintenant, peut-être sont tes pièges. Quand je me suis pris le piège, je me suis dit, là je pense que je me suis fait baiser sa mère. Bah en fait, t'as ouvert la porte au moment où j'étais en train de... J'avais tombé sur ma boule rouge en fait. Ouais, j'ai compris, j'ai à peu près compris le jeu. Hein. C'est en fait, faut vraiment réfléchir dans le jeu. Ça, c'est ça qui est bien. En fait, faut être stratégique niveau piège. Bon, on va voir si celle-là, tu vas arriver. Hein. Pour l'instant, ça fait 1-1, je crois déjà. Ouais, 1 ouais. Pour toi, 1 pour moi. J'ai gagné face à le nombre de bonnes différences entre nos points, entre tous les deux. Et toi, c'est par rapport au cul. Ah, c'est pour t'expliquer lesquelles c'est. Ok, c'est ça les runes qu'il y a en gros qui vont mettre. C'est toutes les runes qu'il y a dispo. Trouver les orbes rouges. Eh ben, mec, il s'écrit dans un film de boule le truc quoi. Yeah, film de boule! Bah, bonne chance, hein. Toi aussi. Par contre, j'ai toujours un peu de galère pour ouvrir les portes. Toi aussi, t'en as trouvé une? Ah non, c'est moi qui ai trouvé la boule. Oui, je t'ai envoyé un esprit. Est-ce que toi, t'as reçu quelque chose? Là, ouais. Je vole. Je suis dans un trou noir qui me fait perdre des points, espèce d'enculé de bâtard. Toi, je te jure, je te vois, je te jure que je fais ton cul. J'appelle mes cousins et toute ma famille. Même si je suis tout seul et que j'ai pas d'amis. Rien pour ça, je vais te faire un truc de bâtard là que je t'envoie. Logiquement, il y a un truc qui va apparaître sur toi. Il est déjà sur moi. Je sais même pas si à ce point-là, c'est vraiment ça te fait... c'est vraiment sombre, sombre. Enculé de ta grand-mère. Tu vois ce que tu m'as fait, moi? Bah, je l'envoie sur ta gueule. Enculé de ta mère. De quoi? Un vortex. T'es dans un autre monde? Tu m'as envoyé dans un autre monde, un truc violet. Et je parie que je t'y ai envoyé aussi. Ouais. Oh le bâtard! Voilà. Je viens de me lancer un sort sur moi-même. Immunisé contre le sort de l'adversaire. Pour le prochain sort. Ouais, j'ai trouvé la sortie, c'est bon. Bientôt. Ah non, toujours pas. Et regarde, tu sais bien, tu veux, tu perds des points à vue d'œil. Si t'as vu.
Attends, si je vois quelqu'un voler avec une boule, je sais que c'est toi. Pourquoi tout de suite c'est moi? Moi je suis gentil, j'ai rien fait. Je suis ton frère. Attention, oui. Et y a un truc bizarre là. C'est toi qui es en train d'ouvrir le bouquin à côté de moi? Non. Ok, non, parce qu'il y a un bizarrement à chaque fois. Quand je passe à côté d'un bouquin, il s'ouvre. Moi aussi. Attends, c'est peut-être pour nous dire les sorts qu'il y a. Ah non, augmente votre flux de hurlements. Ok. Bon. Tu sais quoi, ta mère, j'encule. Bon, tu te caches où, petit PD? Tu te caches où là? Oh, tu t'es pris par mon piège, connard! Petite merde. Voilà. Ah putain, c'est trop bien mon truc qui vient d'annuler ton sort. Ça c'est bon Mon ça. truc, je suis en train de me demander, mais il est où mon putain de truc pour pouvoir lancer ma boboule? Putain, tu ne sais pas que tes étourdissements de merde. Hein. C'est pas moi, c'est le jeu. Oh, ça c'est pute! Ce que je viens de trouver! C'est quoi? Appelle un hôtel, votre hôtel dans cette pièce. Ça téléporte mon hôtel vers moi. Et bim! Mais t'aurais vu mon hôtel? Je vois pas! Hôtel! Toi, je suis pris un de mes pièges, de toute façon. Et tu sais que le but du jeu c'est de se faire peur et que pour l'instant il n'y a aucun d'entre nous qui s'est encore fait peur. Pour l'instant ça se fait plutôt en termes de points. Appelle votre hôtel dans cette pièce. Oh mais j'adore celui-là. Quand j'appelle mon hôtel dans ma propre pièce là pour être tranquille et le mettre dessus. C'est complètement abusé. Ouais, mais ça nique ta position, par contre, ça sera un des trucs qui fait. Ah oui, non mais regarde, regarde ça. Regarde-moi ces points, espèce d'enfoiré, va. Allez, espèce de petite crotte que tu es. Regarde-moi Mais je ces te points. promets, je suis pas tombé sur mon hôtel rouge depuis tout le début de la game. Non mais l'hôtel rouge, il est dans une salle de classe. Ah ouais? Oui, et dedans dans la Déjà salle que je de... trouve laquelle? Dans la salle de classe. Et quand tu rentres dedans, t'as une sorte de plante carrément bloquée contre le mur. J'ai rien dit. Bah attends, tu crois quoi? Tu crois quoi, espèce de petit con? Pas mal ça, pas mal, pas mal, pas mal.
Enfin, j'ai trouvé l'hôtel. Une musique qui commence à se mettre. Petit PD, va, hein? Et En vrai, je t'ai vu refermer la porte. putain de merde, va, vas-y, j'en ai ras le cul. De toute façon, tu vas quand même gagner. Le seul truc que j'aurais pu faire, c'est de tuer trois fois, mais c'est un peu compliqué. Là, ouais, là. T'as ta tête de vaudou qui m'a posé sur la porte là? Tiens! Enfoiré. Petit enculé! Je t'ai vu, j'ai entendu du bruit. Et je t'ai effrayé, quoi. Allez! Et bien à la fin, hein. C'est à la fin qu'on essaye de... qu'on arrive à se... Time up! Ah, c'était pas mal. Alors, demain, nanana, pyromancien 3000. Oui, j'ai balancé plein de feux d'artifice partout. Bon, j'ai quand même réussi à gagner avec les points, et n'empêche, on s'est fait peur une fois chacun. C'était tendu. Il n'y en a pas un qui a fait le con Et je pour pense se que le faire truc qui peur. t'a sauvé, c'est les petits hôtels qui se ramenaient dans ta maison là. Ah, les hôtels que j'ai pu moi mettre, même moi, même, ah, mettre dans ma propre pièce. Ouais, franchement. Eh, mais ça Par m'a contre, aidé, je sais hein. pas. C'est quoi le combo pour les mettre à propre pièce? Je sais plus comment on fait. Je sais plus du tout. Franchement, là, faudrait que je regarde mon grimoire si tu veux que je te le lise. Faudrait que je le regarde parce que franchement, je l'ai fait deux fois aléatoirement. Donc, faudrait que je regarde ça. Je viens de faire un nouveau sort. Ok. Appelle votre hôtel dans cette pièce. C'est un bleu et un vert que j'ai fait. FDP. Ah, tu t'es pris la créature que j'ai mis sur ton hôtel? Non, je me suis pris vers une cage. En gros, ça te le met à 2 heures, je crois. Ah bah pourtant j'ai rien fait, j'ai juste invoqué une... Petite FDP. Ah, là t'as peut-être reçu le deuxième truc que j'ai mis alors. Ah non, j'ai reçu les deux. Ah En ouais? même temps. Ah ouais, pourtant, bah je sais que j'ai mis. Enculé de ta mère! Déjà, j'ai pas beaucoup de points, espèce de bâtard! Et tu me mets ça! Merde, je me suis Vas-y. trompé de chemin! Mes points! Mais c'est ça, mes points, espèce d'enculé! Ouais, mais c'est YouTube. Enculé, va! Révèle l'orbe de l'adversaire la plus proche. Oh! Ça révèle où sont tes orbes pour que je les cache. Et par contre, moi, il y a un souci. Je suis peut-être bleu, mais je ne vois pas mes orbes à moi. Ça me fait rire, ça, n'empêche.
Enculé qui m'a mis une claque dans ma gueule. Et toi, va te faire foutre. Allez. C'est quoi ça? Ah, tu veux faire ça? Tiens, prends ça, Connor. Petite merde. Petite merde que tu es. Alors, ça fait quoi? Permet de foncer à travers les obstacles. Merde, j'ai appuyé E au lieu d'appuyer sur la touche pour le prendre. Et merde. Bon, puis c'est con, regarde! T'as plein d'orbes qui sont par terre pour toi. Bah oui, depuis tout à l'heure, je les vois par terre. Bah oui, faut les prendre. Bah ouais, mais déjà que je dormais une dans un hôtel, faut que je trouve l'autre hôtel après. Ouais, parce que moi je suis gentil, je te montre où elles sont. Allez! Petit connard, va! Genre, je t'avais pas vu, t'as pris mon piège! Enfoiré. Bon, merci en fait, maintenant je peux mettre ma boule. J'attendais, je me suis dit, si je la pose, je sais qu'il est à côté! Y'a des chances qu'il veut me mettre un screamer dans la gueule, ce petit bâtard! Putain, en fait, ça dure pendant toute la partie, Allez! Je t'ai vu! Tu m'as vu quand je m'accroupis? Oui, et à la base, t'es rentré dans ma poudre de fée que j'ai mis dans la pièce. Elle est invisible à toi. Mais en fait, la poudre de fée, ce que ça fait, c'est que ça te donne ta position. Il y a des trucs qui scintillent autour de ton cadavre. Tu m'as fait flipper avec ta tête d'épouvantail. C'est qui le papa? C'est ta mère? Ah non, ma mère, c'est ma mère. C'est pas papa. Non! T'es un enculé de fils de pute! Pourquoi? Putain de vortex! Alors, si c'est pas toi qui l'a fait, c'est moi qui l'ai pris dans ma gueule et je suis vraiment une sous-merde. C'est moi le papa ici. Ok, donc là c'est où j'ai mis mes pièges. Petit con. Il me faut une orbe. T'es où là? Si tu rentres dans ma poudre de fée, je te verrai. Côté points j'ai gagné, côté frayeur j'en ai fait deux. Donc ça va. Pour l'instant je suis gagnant. Comment t'as pu me voir? Bah je t'ai vu parce que t'as posé le truc. J'ai vu ta bouboule. Mais j'ai rien posé. Donc tu m'as eu par chance parce qu'en fait j'ai rien posé, tu verrais dans la vidéo, j'ai rien posé. Pourtant je t'ai vu. Oui mais c'est mon hôtel, il s'est activé tout seul. Je n'ai rien fait. Ah bon?
Oh ouais, donc c'est mon hôtel qui m'a trahi. Mais bon, dans les deux cas, j'ai envie de te dire. Sélection du rue. Oh, bref. Surprise, double vision, verrou, feu spectral. En fait, je trouve que la charge de folle, c'est le truc le plus impressionnant que tu peux avoir parce que tu peux changer de salle direct. Ah oui, pour éviter les champs bleus. Je suis rouge. Pour changer un peu. La couleur de ton sang, PD! Tu vois plus rien? Pourquoi il fait tout noir d'un coup? T'adores mon sort, hein? Ah, c'est ton sort, ça? Tu me diras que oui, tu seras plus dans le sort comme ça, ça peut plus impressionner, quoi. Ouais, bah en fait, j'aime pas comme celle-là. Fils de pute. Et putain de merde! De quoi? Mais je suis tombé dans mon propre piège, espèce d'enculé! Hein? Je suis tombé dans mon piège. J'ai pris ton piège? Et il me prend mon deuxième! J'ai pris le tien? Ouais, on dirait que j'ai pu... je peux prendre le mien. Oui, tu peux prendre le tien. Faut juste réfléchir où tu l'as mis. Je m'en souviens plus, ça fait deux trous noirs, je le prends! Mais moi je me prends toujours tes putains de personnes merde qui est en train de me taper en mode putain victime. Hashtag Dark Horror la victime. Putain, trois trous noirs. Mais elle est tous crevés en enfer, bande de sous-merde. Vas-y, je vais risquer de perdre la partie. Pourquoi? Parce que je me suis pris tellement de trous noirs dans la gueule. Et je m'en prends un quatrième et je m'en fous, j'arrête. Bah il y en a encore un qui était posé. Et toi et ta mère, je vais l'enculer. Moi, je m'attendais à que tu me niques ma mère. M'en fous, j'ai pu poser ma rune. Oh, il est badass le tien. Ah, il est badass. Ah, il est badass. Mais je m'en fous, j'ai eu le temps de poser pour avoir mes points. On voit pendant l'animation qui m'a effrayé que mon hôtel s'est barré avec ma boule. Avoue qu'il est classe ce robot. Ah ouais, il est vachement classe, ouais. Franchement, rien à dire. Il s'appelle Hurlement Nator. Hurlement Minator, je sais pas quoi, un truc comme ça. C'est ça qui fait penser à la tête de mort que j'ai. C'est Jason Hitz à peu près. Tiens! Enfoiré. Nique ta mère! Tu sais que j'avais le truc pour me TP à un autre endroit, j'aurais dû faire ça. Grave. Et il est vraiment moins flippant que le mien, je trouve, le tien. Ah ouais, c'est pas dans le but qu'il soit flippant, hein. Bah, de base, si, clairement, c'est un peu le but du jeu, c'est de faire flipper les gens. Ouais, mais là, je m'en fous un peu, tu vois. Je vais gagner. Oui! Oh putain, t'as de la chance. La boule avant que ça finisse. Eh, tu sais que t'as de la chance. Je t'ai vu poser la boule, mais ma frayeur, je pouvais pas encore la faire. T'étais à côté? Oui, j'étais à côté de toi. Avoue que j'ai eu la chance de tomber sur la boule directement après. Parce qu'en fait, j'ai ouvert la porte, j'ai tombé sur la boule. Bah grave, parce qu'à la base, franchement, et tu verras dans la vidéo, j'étais devant toi. J'ai fait non, j'appuie sur le bouton, ça se passe comme un gros retard de merde, mais non, ça marche pas. En gros, quand tu tapes un sort, quand tu mets un sort sur quelqu'un, tu tues quelqu'un, tu laisses quoi. Et quand tu mets une boule, parce que si tu mets une boule, c'est intéressant. Bah oui. Fait spectral, charge folle, verrou, double vent. Ok, je pense que je vais mettre la priorité sur celui-là. En fait, tu peux te mettre la priorité sur cette telle rune, c'est pas mal. Moi j'ai pris une tête que vraiment tu vas flipper. À ce point là? Bah à ce point là que tu vas reconnaître la tête.
Je t'ai ouvert un tiroir, toi. De quoi? Le mec il est en train de m'espionner, je suis même pas à côté de lui, c'est que j'ai que j'ouvre un tiroir. Ça s'entend comme un tiroir qui s'ouvre. T'as jamais une boule? Ouais. T'as les boules, hein? Tu t'es pris le truc? T'as les boules que j'ai mis une boule? À vous. À vous. Ok, il y a un piège là. Enculé de ta grand-mère. De quoi? T'as mis une boule qui m'a pété la gueule, espèce d'enculé. Une bobole? Ouais, une bouboule qui m'a pété la gueule. Ah oui, c'est une bobole explosée. Je l'ai laissé. C'est trop gentil, franchement. Franchement, ça me touche tellement. Même pour ça, je vais t'en mettre dans ta gueule. Bon, t'es tellement pas cramé avec tes pièges, toi. Bah non. Toi, les trucs électriques, c'est vraiment ton kiff, enculé. Ta gueule! Putain, ta cloche elle est saoulante, hein! Elle fait ting 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 tout le Bah temps! oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai posé. Je l'ai posé à un endroit où tu pouvais passer, où il y avait des tiroirs qui n'ont pas été faits. Tiens, je t'offre même un cadeau, parce que t'es vraiment un petit frère que j'adore. J'ai vu ton piège, hein. Est-ce que j'ai des trucs pour révéler? Mais qu'est-ce qu'il est moche? Hmm? Mais qu'est-ce qu'il est moche, Donald Trump? T'as vu mon petit Trump? Putain, il est aussi moche qu'en vrai. Bon, côté points, pour l'instant, c'est moi qui gagne, j'ai envie de dire. T'aurais vu ma bobole? Ouais, c'est la plupart des bouboules que t'avais que j'ai pu cacher dans les placards. Tu m'as vu? Petite. Crois que je sais. Non, mais je vais essayer de gagner comme ça, je suis obligé. J'ai pas trouvé une seule boboule de la game. Bah moi je les ai trouvés, sauf que bah quand je les trouve, tu sais, je les jette. Oh, le FDP, il touche pas mes bouboules. Bah si, je les jette dans le placard. C'est là qu'il me reste une peur à te faire et je te gagne. Ouais, je vois ça. Faut que je gagne sur le temps, au pire des cas. Je vais gagner! Oui!
Je vais bien faire une dernière, tiens. Une petite dernière juste pour la revanche. Alors moi j'avais vu une tête de mort. Après peut-être les cahiers sont différents. Ok. Pourquoi les orbes bleus? Ah mais mec il s'est cru dans un film de boules là. Eh hey yeah. On aime pas les boules nous hein. Si moi j'adore les films de boules. Mais attends on s'en fout. Connasse. Eh t'es sûr que tu t'en fous? Ok. Bon bah voilà, j'ai déjà 10 000 points, ferme ta gueule connard. Tu sais que t'as aussi 10 000... Moi aussi j'ai 10 000 points. J'ai vu, il y a quelque chose qui va te suivre. Voilà. Il y a encore un trou noir de merde. J'ai vu une bouboule voler, ça m'a maniqué ça. Non! T'as pris la cloche? Ta gueule, ferme ta gueule. Mais va niquer ta mère! Sale pute. Tu la reconnais cette tête? Clown de merde ça. Pareil que tu l'as reconnu. Je viens de dire que c'est un... ils ont pris de ça. Hein? C'est ça tu vas me dire? Ouais la tête de clown. Ouais. Saloperie de merde. Tu m'as fait tomber ma putain de boule que j'avais. Ma seule et unique boule. Je suis mal fait génétiquement. Bah tu m'as trouvé. C'est ça? M'en doutais. T'as tiré à l'arrache? Ah j'ai clairement tiré à l'arrache. Ah putain ça t'a bien aidé. Bah clairement ouais. J'avais pas cru que tu serais là. Ah bah si. Tu t'es fait avoir? Je sais pas, il y a un truc qui m'est rentré dans le cul, ouais. J'ai eu un gros flash. Qui voulait dire, toi, tu vas te faire enculer. Tu t'es fait avoir par deux trucs toi. Bah un truc à toi et un truc à moi ou deux trucs à toi. Et tes pièges électriques c'est vrai qu'ils sont assez casse-couilles. Bah bien joué au moins. Est-ce que tu veux finir comme ça ou tu veux prendre vraiment ta revanche? Ouais allez vas-y. Je suis fait un peu niquer assez facilement je trouve. Mais j'ai pas compris c'est quoi l'histoire du jeu de base. C'est deux lycéens qui se font bloquer dans une école ou... Ben, deux personnes qui sont invisibles et qu'à minuit, ben, ils deviennent invisibles pendant quelques minutes. 10 minutes et que, ben, base, ils peuvent s'effrayer, ouais. Et lancer des sorts. En gros, c'est des potes qui s'amusent, quoi. En gros, c'est des potes qui ont envie de se faire peur à eux-mêmes. À côté de moi. C'est toi qui étais à côté de moi? T'as pas vu une boule qui était en train de voler? Non. T'as pas vu une boule que j'ai posée? Non. Je crois que s'il a vu, mais il est en train de pas parler pour se concentrer et de me faire peur.
Là, je t'offre un cadeau. Un cadeau d'adieu. Tu fais avoir? Non, toi, je t'offre un cadeau. À moins que, à moins qu'il va pas te toucher. S'il te touche pas, c'est de l'arnaque. Il m'a touché. Mais ça fait quoi le truc en fait? Ben, ça te révèle où tu es. Ah, ça c'est bien quand tu mets de la poudre de fée à un endroit où tout le monde peut doit passer. Obligatoirement. C'est abusé. Elle est invisible pour toi logiquement la poudre de fée. Tout à l'heure tu la voyais pas quand je te l'ai mis dans la tronche. Sauf que là je l'ai mis à un endroit dans la map. Là tu vas avoir un petit ami. Qui va te faire un gros bisou. On peut y Voilà. échapper, on peut pas y échapper. Non, ça te suit obligatoirement, tu peux pas y échapper. Je pense que ça aurait été bien si on aurait pu s'y échapper. Après, au final, ça aurait plus aucune utilité. Non mais si tu vois, ça s'arrête au bout de 20 secondes quoi. Ouais, mais heureusement que tu peux pas parce que ce serait un peu débile. Il n'y a pas de piège là. Pas de piège non plus ici. Ok, toi tu t'es pris un truc. Bah ouais, j'arrête pas de me prendre tes conneries de tête, de petits jouets. Mais ouais, tu poses plein de petits jouets tout pourris. Comment veux-tu que je me les prenne pas? Le machin, il me pose des godemiches géants devant le truc, quoi. Là, t'es à côté d'un livre. T'es à côté d'une imprimante. J'étais à côté d'une imprimante là. Maintenant j'y suis plus. Hein. Non, mais j'étais à côté de toi, je t'avais vu. Et pourquoi tu m'as pas effrayé? Mais je me suis pris le trou noir. Ah ouais, je vois ça. C'est pour ça que pour l'instant, on va dire que pour le moment, bah, je peux en profiter quoi. Je peux profiter de l'occasion. Mais bon. Il y en a certaines que j'ai cachées à côté des meubles, mais d'autres que voilà, j'ai. Ben, que j'ai. Que je suis passé, mais que j'ai pas envie de choper tout simplement parce qu'au final, ben, après tu vas me. Regarde! La vie de ma mère, il y en a même deux là, tes boules! Putain, ils sont même par terre! Mec, putain, ces boules sont juste devant moi, il les voit pas. Fous-toi de ma gueule. Je te jure. T'es concentré, toi? Mais c'est l'hôtel que je cherche. L'hôtel. Là, t'as fait quelque chose là. Là, t'as fait quelque chose. J'ai vu un truc apparaître.
Bah alors Dark, t'es où? Putain, regarde! Mais t'es vraiment un putain d'aveugle! Y en a deux ici, t'es boule! Le mec, il est aveugle. C'est obligé. Oh bah je vais regagner. J'avais voulu te faire peur avant. Mon jeu il a bugué. Il veut plus que je pose mes boules sur mon truc. Bah parce qu'il a compris que t'étais nul. Bon, de toute façon, même si tu posais une boule, ça te fait 10 000 points. J'avais tout dit. Et attention, time ups. Regarde la différence de points. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Bon, voilà, Mina, j'ai eu un petit bug. Enfin, le jeu ne voulait plus. Et à mon avis, il en avait trop marre qu'on jouait, qu'on l'a spammé. Donc là, on va cesser là, les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, bah, de toute façon, on en refera d'autres vidéos dessus. Bon, pas de suite après, mais on en refera, vous inquiétez pas. Et puis, bah, merci à Dark d'être venu. Et puis, on se Non, dit. rien. Et on se dit à la prochaine. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner. Je vous dis à très bientôt à la prochaine. Ciao, ciao, Mina.